Aujourd'hui, ici à Vujiki, on commence un nouveau thème du mois, une nouvelle grande thématique du mois, le Mandombé. Donc du début jusqu'à la fin. Donc pour ce mois-ci, le premier intervenant, c'est Papa Godi. Il va intervenir sur le Mandombé. Le titre de cette intervention, c'est de la révélation à la dimension internationale. Donc je vous demande d'accueillir comme je dois Papa Godi pour son intervention. Merci Papa. Au nom du Père, Papa Dislogé Lokelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit Papa Dialungana Koutima, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Ma Tata, ma maman, je vous remercie de l'occasion que vous me donnez afin de pouvoir partager cette connaissance que Papa Simon Kimbangu nous a disposé. Dans un premier temps, comme une idée de pratique hein, par rapport au rappel, en Kamba, effectivement, à la Nouvelle-Jérusalem, à l'instant où je vous parle, sa divinité et son conseiller direct, donc Papa Menza Kiangani, André, j'aime bien l'appeler par le terme Papa qui se souvient de le donner, Fumum Vingidi. Vingidi, c'est-à-dire que Vingana Foul, c'est-à-dire qu'il va remplacer quelque part. Donc c'est le qualificatif pour pas qui sur lequel il avait donné. Vingidi. Donc André Mbenza Kiangani, le dépositaire de tout ce qui s'est passé pendant que la Trinité Céleste a scellé l'essor de l'humanité, qu'on qualifie souvent la période des 5 mois. Voilà. Qu'allons-nous dire, chers papas et mamans? C'est vrai qu'on aurait voulu que le don soit plus important. Plus importante plutôt, comme il dirait, mais sonnait ainsi. Le Mandombé, quand papa m'a envoyé, c'était le vendredi dernier, hein, n'est-ce pas? On va appeler, on me dira que voilà, papa vous dit, on a besoin d'un intervenant par rapport au Mandombé. Effectivement, j'ai regardé le texte, le texto que j'ai reçu, qui disait donc, je vais le rappeler, le thème donc du mardi 14 dans ce jour est le Mandombé de la révélation à la dimension internationale. C'est vrai qu'on est en France, nous parlons donc de Vaugirard, donc le français dans le Molière. Très souvent, j'aime bien faire usage de la langue des Dènes. La langue des Dènes, donc qui est le Kikongo, pour me mettre à l'aise et surtout rester naturel. Et donc j'ai essayé de rapporter ce texte qui était dans la langue française pour le remettre dans la langue des Dènes, qui est donc le Kikongo. Mandombé, vous permettrez s'il vous plaît, entre guillemets, Mandombé, tout kaki solokela, nateye wunu kiki munza yamvimba. Donc, tout cas qui soloke là, donc qui soloke l'aimé, ça s'est révélé jusqu'à arriver à l'intercontinental, donc international, donc différentes nations qui sont reliées de par ce qu'on appelle l'international, donc plusieurs nations. C'est en tout cas le papa qui a conçu ce texte, je vous remercie pour cela, parce que le terme solo qu'elle est, pour moi c'est très fort, donc la révélation, car nous venons de sortir du centenaire de celui qui a fait que nous soyons, celui-là qui est l'architecte dont d'autres pratiques on l'appelle le grand architecte de l'univers, donc papa qui solo qu'elle est, l'architecte de toutes choses, toute matière. Et après c'est dit que jusqu'à l'international. Or, il s'avère que si cette institution spirituelle qui a pris corps, qui a commencé le 6 avril 1921, et aujourd'hui à l'international, donc nous qui sommes ici en France, c'est l'action même du Très-Haut
papa qui sont lokele lukero cha. Donc c'est là où je dis vraiment l'inspiration était très très bonne, parce que sortant du centenaire, moi votre interlocuteur, j'étais à l'ouverture du centenaire, j'étais à la clôture, et pour un clan 2, s'il vous plaît, si vous permettez, il m'a même permis d'être complet, papa qui sont lokele, le 23 août dernier en Kaba. Donc il m'a fait un cadeau pour son ténèbre et j'ai trouvé une femme, celle qui était quelque part, et je suis marié le 23 août dernier en Kaba, ce qui me rend complet dans toute mon action. Et pour cela, vraiment, je rends hommage au très haut papa qui se réveille, lequel le char, parce que c'est lui qui a fait, il dit, les jeunes. On est ici dans la rencontre des jeunes. Je vais arriver à l'écriture, ne vous en faites pas. C'est juste un petit intro. Papa qui se loquelé, c'est lui le vaillant. Hein? Et l'homme, comme il dirait, le vaillant, Makitsa. Il n'a pas eu la trouille le 4 octobre à Mbazangoum. 7 ans. Vous voyez? 7 ans. Tous ici, nous avons plus de 7 ans. Mais lui, très jeune, 7 ans. Le chiffre 7. Et on parlait peut-être quand j'arriverai au développement de l'écriture. Donc, je dois le rendre hommage. Et c'est lui qui a implanté, lui, par rapport à son acte qu'il a connu à Lukulu, souffrant, il est venu sur l'Occident. Il a quand même tenu que cette institution, quand il habitait chez sa fille, je dirais, moi je qualifie sa mère, Maman Mouilou, qui est notre conseillère ici en France, Maman Mouilou, qui a Wanganzitani Mouilou Marie, Dikina, Diangene donc. Chez elle, à Genève, où il était venu, elle habitait chez elle, donc, qui a eu le temps de structurer cette institution spirituelle ici en Occident. Donc, voilà le côté international. Donc, je disais, papa, le votre texte, vous voyez le texte en disant, de la dîme, de la révélation. Donc, pour qu'il soit enquêté jusqu'à l'international. Donc, il y a assez, pour forcément le texte, le thématique est lié à l'action spirituelle de cette institution ici en Occident. Parce que c'est papa qui se l'engueule. Donc la révélation qui se l'engueule. Parce que papa Simon Gimangu avait fait une déclaration le 12 février 1914. Il dit qui se l'engueule, qui dit nous qui avons besoin. Donc le royaume des cieux et des cieux sur terre. Donc Dieu le Père, il s'incarne. C'était le 12 février. Donc lui, nous voulons rendre hommage. Ça, c'était l'introduction. Donc pour faire le rapport entre le spirituel et le matériel que papa Simon nous a donné. C'est quoi le matériel? C'est le manou. Parce que papa Simon Gimangu avait fait une déclaration à papa Wabela Diompaï David, qui est donc l'inventeur inspiré de l'écriture, de la science. Moi, le terme écriture me dérange dorénavant. Je l'appelle la science manoubée. Parce que c'est vrai au départ, c'était la graphie, mais après, il y a tellement de choses qui ressortent, qui sont extraordinaires. Alors du coup, c'est ce savoir-là, cette connaissance, donc ce zaï-là, hein, que papa... papa Simon Kimbangu nous a disposé, il avait fait la déclaration en disant à papa Beladjo, si vous permettez, je vais trouver le syllabus que mon collègue papa Shaoloma nous a édité à l'académie là-bas, à l'université Simon Kimbangu, où se trouve le siège administratif de l'écriture manoubée, parce que le siège en tant que tel pour l'instant, c'est lui-même papa Simon Kimbangu qui gère le manoubée à Kaba. Mais il nous a disposé un bureau au niveau de Kinshasa, qui est l'ISK, donc. C'est papa Benga Shaol, papa Benga administrativement qui gère l'organisation, mais au niveau de l'académie, c'est notre collègue papa Shaoloma qui a mis en place ce syllabus-là. C'est-à-dire ce qu'il disposait quand on va commencer l'écriture. Vous verrez ici, regardez cette photo-là. Ici, papa Simon Kimbangu, il montre, c'était à Mbazangoum en 78, donc en 78 comme il dirait ici en Occident, en France. Nous disons 78. Alors, donc, il dira à papa Wabeladio, en Kikongo, hein, s'il vous plaît, parce que c'est la langue d'Eden, la langue de la création. Ndalouza zole mwene, intalou, louvangila diabio, louvidi mfunu, mou activité matérielle. Tiens, papa Simon Kimbangu qui parle Congo, mais il finit la phrase en français, activité matérielle. Je vais transcrire. Ça veut dire que les deux éléments que tu viens de voir vous serviront pour faire tout ce dont vous aurez besoin en activité matérielle. C'est clair. Donc, tout ce dont nous
aurons besoin dans le palpable. Parce que le spirituel est là. Mais aujourd'hui, Papa Simon qui est membre vient montrer son omniscience à partir de cette trouvaille-là. Donc, l'écriture m'a nommé, ça c'est le qu'on dit m'a nommé, mais dans m'a nommé, si vous regardez bien, il y a le m'a et le nommé. Donc là, je rentre à proprement dit de le thème. Donc le texte, le thème dit de la révélation m'a nommé jusqu'à la dimension internationale. C'est quoi le m'a nommé déjà? Question. Le m'a nommé, David Obedompaï, quand il a reçu cette trouvaille en 78, il dormait à Kinshasa. Très succinctement, parce que vous allez sur mon compte YouTube, Godidia Congo ou la Ratelgi, vous verrez, j'ai tout utilisé, il y a l'historique. Parce que j'ai eu la chance d'être avec ce grand frère-là. Moi, je l'appelle grand frère parce qu'il a fait beaucoup de choses en moi, à partir de cette chance-là. Il dit, il dormait. C'était en 78, en mars, le 13 mars, 78. Il dormait dans son sommeil, il entend une voix. On dit comme David, Sikama, Wenda Mukaba, Woyemela, Surbaka, Salon, Kaka Mandom. Dis-moi, j'ai entendu une voix. Et je signale en passant à l'époque, il n'est pas kimonguiste, hein, s'il vous plaît. Enfin, il n'est pas kimonguiste en quartier. Parce que c'est ça que j'ai fait nuancer aujourd'hui. Il y a les kimonguistes en quartier et le kimonguiste non en quartier. C'est-à-dire, le kimonguiste en quartier, c'est ceux-là même qui sont venus. Que la carte de chrétien kimbonguiste, n'est-ce pas? Et le kimbonguiste non encarté, c'est cela pour l'instant, ils ont la cloche n'a pas encore sonné pour eux. Donc, à cette époque-là, pas seulement par rapport au Bénédicte Paï, David, il était encore kimbonguiste non encarté. Parce que tout humain sur terre, que tu le veuilles ou pas, fondamentalement, tu es kimbonguiste. Parce que tu es une créature de Dieu. Tu es homme, l'homme, Dieu, homme. Donc, l'homme est kimbangu. Dieu est au kimbangu. Donc, tu es Kimbangu naturellement. Ok? Donc, en ce moment-là, papa David Obedompaï n'est pas encarté kimbanguiste. Mais ils ont quand même la paix. Il obéit à la paix. Il y a eu beaucoup de tergiversations. J'en passe vraiment de l'historique. Vous aurez l'occasion de le disposer à travers les médias. Et il reçut la paix. Il exécuta la paix. Il arriva à Kamba. Il eut ces différents miracles qu'il a connus en cours de route. Il y en a 7, s'il vous plaît. Et finalement, il vient d'avoir sa divinité. À l'époque, on l'appelait Éminence, Tiangela Kontima, papa de Simon, papa de Nguyen, donc le deuxième Kimbangu, le second visage de Kimbangu. Il lui dira, déjà, il lui a rappelé, parce que je n'ai pas détaillé les miracles, hein, les actes de puissance qu'il a connus sur la route de Kamba. Il lui dira que ce que vous allez avoir par la prière. Personne ne vous le dira. Parce que le cantique que vous avez entendu sur la route de Kamba, chez nous on appelle les cantiques de la promesse. Ah, alléluia. Alléluia. Quel bon ça. Non. Alléluia. Zayo. Donc c'est un cantique. Et puis un autre donc, qui me viendra à l'esprit, je vous le rappellerai peut-être. Donc il y en a deux cantiques. Et pas Seigneur nous dira que ces cantiques-là, on appelle chez nous les cantiques de la promesse. Effectivement, mon père, non, il parle de son père, pas seulement Mamou. Mais c'est un petit jeu, c'est la même personne qui avait dit à dans cette chose. Et d'ailleurs, j'ai une image que je vous montrer à l'occasion que papa Simon Kimbangu, en 1921, quand la mène à Mazamou pour le jugement, il avait fait sortir cet élément qu'on a qui avait une photo, il lui montra le chiffre 5. Vous voyez? Donc, papa Wabeladio, donc, écoutons pas d'Agenda Kontima, cette divinité lui dira que toi, c'est par la prière que tu auras la réponse le soir. Donc, il faut beaucoup prier. D'où d'ailleurs le rapport que je vais faire ici. Donc, on a dit de la dimension de la révélation à la dimension internationale. C'est vrai, on est à l'international. Et puis, où nous sommes, le spirituel n'est pas vraiment comme il se doit. Et c'est pourquoi nous, les jeunes, j'ai suivi la prédication par Brice Kibwana, c'est très fort. Je vais vous remercier pour cette inspiration. C'est très bien. Il dit, la prière est nécessaire. Et donc, papa Daniel dira, Paul Beladio, c'est de la prière que tu auras
la mission que mon père t'a confiée. Effectivement, il est allé à Moïse. Parce que dans les villes, tellement il y a tellement de choses qui sont pas, qui dérangent le spirituel, et bien il s'est réfugié à Mazangongo. C'est un Mazangongo. Oui. Il s'est mis en prière pendant 8 mois à jeûner et à prier, jeûner, prier, jeûner. Donc se priver de ses envies physiques. Et finalement, un jour, tellement fatigué dans l'action, les prières qu'il avait, dans l'après-midi comme ça, il s'est affacé sur le canapé ou sur une chaise quelque part. Et en observant le mur de briques, je ne sais pas si vous avez l'écritoire ici, je peux, s'il vous plaît. Parce que nous parlons de l'écriture, il faut qu'on parle du concret, c'est le matériel, c'est le concret. Papa Wabeladio, chez nous, les maisons que François a inachevées, quand il dormait dans la partie non enduite du mur, des murs de la maison, de la chambre, remarquera que, je n'ai pas pour essayer. Sur le mur de briques, la partie qui était non enduite, aussi c'est enduit, n'est-ce pas? Mais quand elle se repose les briques, il avait simplement remarqué qu'en fait, le maçon, donc le bâtiment constructeur, quand il érige son mur de briques, son mur, il décrit 2 éléments qui ont la forme, évidemment, par rapport à la connaissance antérieure qu'il avait, que j'appelle souvent la connaissance du 1/4, parce que ici, papa, c'est moi qui m'en vais disposer ce qui devrait en avant, le 3/4. Donc, par rapport à la condition antérieure qu'il avait, donc du 1/4, il avait remarqué que, dans son intuition, mais tiens, mais le mur de briques a la forme de l'élément qui ont ceci. Comme ici, c'est comme si j'avais un 5, ici, c'est comme si j'avais un 2. N'est-ce pas? C'est le problème. Donc, justement, regardez, moi, fatigué, il a remis le mur de briques, il a regardé, tiens. Pourquoi dans le mur de briques, il y a ce 2 éléments-là, qui ont cette forme-là? Tu vois, ça l'a interpellé. Bref, pour lui, bon, c'était une trouvaille comme ça, une intuition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dort, dans son sommeil, il voit une mouche qui décrit, qui lui passe sur sa peau, sur sa chemise, son vêtement, qui décrit les 2 éléments en question. Donc, les 2 éléments qu'il avait fait dans la journée, pendant qu'il était fatigué, il voit. Son vêtement était blasé de 5, 2, 5, 2, 5, 2. Oh, il dit, mais combien de chiffres, fin de fin. Et encore dans le sommeil, et c'est là pourquoi c'est moi qui m'en vais, lui montrera ce qu'il a appelé, parce que j'appelle ça le brevet d'activité matérielle. Donc le brevet en question était scintillant. Il était en train de briller, comme vous voyez dans l'autoroute là, quand il y avait des indications, tout ça. Donc c'est qui faisait apparaître, tiens, c'est écrit. Donc, c'est là où le texte est sorti, que je vous parlais tout à l'heure. Les 2 éléments que tu as vus, tout ce dont vous aurez besoin dans votre activité matérielle, c'est les 2 éléments-là qu'on commence à étudier. Et c'est là où il s'est mis à étudier. Voilà comment est partie l'écriture. Partons de l'observation et finalement, l'aide spirituelle est donc, parce que nous, comment on dit, c'est la tête qui se repose, qui dort, voilà, excusez-moi ce que je voulais dire. Donc, la tête qui dort, qui se repose, c'est cette tête-là qui peut recevoir des informations nocturnes, en quelque sorte. N'est-ce pas? Et c'est ça. Donc, finalement, papa Obeladio trouva ces 2 éléments qui ont la forme. Il a pris dans un bout de chiffre les éléments, puisque je dis bien, dans la connaissance, mais 1/4. Tel que nous sommes aujourd'hui, la majorité ici, ce que nous avons comme connaissance, c'est la connaissance du 1/4. Et là, ce jour-là, papa, Simon Mangou, vient lui donner le passage au 3/4. Cher papa Simon, en tout cas, ça, il n'y a rien à faire. Bolinga, bolinga, d'ailleurs, papa Simon Mangou, si vous donnez le texte, si vous écoutez le message, l'oracle de sa divinité, Tata Kimangou Tiangani, le 6 avril 2017. Papa Obeladio était dans le temple. Parce que moi, quand il met son oracle, je dis le terme oracle parce que pour moi, il est divin, lui qui va les messages. Il donne des oracles. C'est-à-dire que c'est pour ses forces de loi.
donc c'est les oracles, c'est les divins, c'est la divinité. Donc, dans son oracle du 6 avril 2007, il dit là, trois cartes de la question de la trois cartes de la carte, et ils ont été les colons qui étaient en patate. Trois cartes de la carte, ils ont été là. Tout ça, c'est une écriture. Tata, vous avez été là, il a fait lever papa Bélédo dans le public, dans le temple, et finalement, mais on ne peut pas se dire que savant, mais tout ça, négligé. Lorsque nous avons encadrement, le message encore, je vous informe, toujours dans le code de l'Ogodiakom, vous verrez ce message-là. À ce moment-là, on parle de Manomé. Donc, l'écriture, finalement, le trois quarts que nous a disposé, Papa Simon Kimbabo, c'est ça. Continue d'étudier. Et donc, quand j'ai dit, c'est quoi? Donc, il a appelé ça Manomé. Ma, pour lui, ma sono, donc ma écriture nommée, qui est l'équivalent du noir. Mais moi aujourd'hui, je le mets ça, je le mets pas encore en cause. Parce que depuis qu'on avait demandé le cas, pardon, le 24 décembre 92, le terme noir là pour nous n'est plus valable. Je m'inscrirai, ça peut-être on aura l'occasion de poser les questions, parce qu'on va les partager. C'est-à-dire, on va faire des échanges. Donc, ma sono. Mais, quand tu observes par rapport au départ, parce qu'il ne lui plus, au départ, il commence à poser l'écriture, donc on va commencer à écrire. Et finalement, qu'est-ce qui est sorti? C'est ça qui a même qui a persuadé. Parce que quand je parle de la dimension internationale, je vais passer maintenant au deuxième moment de l'internationalité là, ce jour-là. Voilà. Papa, zoom un peu ici. Le lundi, nous on m'a nommé, parce que on dispose d'un calendrier, hein, d'un monde de comptage. Kampanga, le 19. Lundi 19 décembre 2011, il y a eu ce qu'on appelle la remise et reprise entre le 1 quart et le 3 quart. Quand j'ai parlé d'historique, là, papa Beladio, je parlais très profond parce que le temps est limité. Papa Beladio, il était quelqu'un de rien du tout, hein, je dirais. Il n'avait pas une connaissance extraordinaire. Parce que, je vous dirais, il était venu à Kinshasa, il avait quitté son village, le groupe de Mbazangungu, pour venir apprendre sur une formation à l'ONATRA d'être machiniste. Imagine le niveau, c'est-à-dire peut-être qu'il avait un niveau CAP en quelque sorte, l'équivalent d'ici. Et encore. Donc, il était venu à Kinshasa pour. Mais fin de fin, le 19, ce monsieur-là est devenu professeur. Il a eu le titre de docteur Auguste Kaosa et le ministre, tellement qu'il était pâté de l'exposé que Papa Beladio avait eu affaire à l'université de Kinshasa, s'il vous plaît. Quand je parle de Kinshasa, vous savez ce qu'est la RDC. C'est un pays continent qui a une frontière. C'est pas n'importe quel pays. C'est un pays extraordinaire. Donc c'est à Kinshasa que Papa Wabeladio, à l'université de Kinshasa, s'il vous plaît, République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Scientia splendida et conscientia. Ça, c'est leur slogan à l'université de Kinshasa. Ce monsieur-là, qui était l'équivalent d'un petit CAP, devenu docteur. Pourquoi? Papa Simon Kimbabo, celui-là qui dit qu'il peut te transformer. On a parlé de l'humilité tout à l'heure dans la prédication. Humble. L'humilité, ça précède la gloire. Eh bien, il était humble tout petit, qu'il était là, obéi aux injonctions du divin. S'il avait dit, ah, mais écoute, ce que toi là, parce que je ne sais pas si je pas détailler vraiment ce qu'il a connu comme acte de miracle, donc acte de puissance, le miracle donc il dirait. Mais il s'est humilié parce que dans la famille même, de là où il est né, on disait, mais toi là, mais vraiment, comme il dit, bon, moi, yo, ça, qu'est-ce que tu dis là, on est. On a trouvé à manger. Ils se sont dit, bon, ce jeune homme là, il commence à dire des délires, comme on dit, c'est des délires, donc, ce qu'on va faire. Parce que le manger, il a des envies. Quand on va le trouver à manger, il va sortir de là où il est enfermé. Moi, c'est moi qui pouvais le manger. Non? Et lui, et obéissant qu'il était malgré ça, il ne cédait pas. Mais sa grand-mère, vous savez, l'amour des grand-mères, hein, et maternelle, il dit, mais fais-le de lui quand même de quoi quelquefois. Et finalement, l'oncle qui était plus de son orgueil, parce qu'il savait un oncle qui avait beaucoup de moyens à l'époque là, à part sa mère, il avait beaucoup de commerce et tout ça. Il dit, mais toi, tu le vois? Oh, mais j'ai eu l'écriture, je crois. C'est... Bon, dis-moi, c'est quoi ça? Dis non, mais ça, c'est le caractère à l'homme de l'homme de Kazo. Anglais, Mboujian.
Donc les juifs ont dit, mais tu es malade toi, c'est pas non. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Jérusalem, on n'a pas la patience d'écouter l'autre quand il parle. Bref, donc ce côté dimension internationale où, à l'université, ce jour-là, les professeurs Eli Kamboko, c'est des. Peut-être on sent hein, d'Afrique, hein. C'est un grand de la communication. Il est connu ici à la Sorbonne, donc il ne veut pas. Ce jour-là, tous, on l'a revêtu du toge. J'ai des photos, je pourrais les montrer à l'occasion. Ce jour-là, il y a eu le côté omniscient de Tata Kembao. D'ailleurs, dans une de ses conférences, Bob, il avait été parti, il faisait, parce qu'il a fait plein de conférences. Les dernières, il les a fait avec moi parce que la dernière tournée qu'on a fait le monde en 2011, on a fait la tournée européenne, enfin l'Europe occidentale. On était ensemble, on avait l'apogée, ça se passait à Berlin. Et d'ailleurs, cette conférence-là était passée à la politique parce que ce jour-là, on avait ce qu'on appelle corriger Berlin. Quand on a parti de l'Afrique, ce jour-là, les Congo, l'Afrique, on a pris nos responsabilités pour corriger l'acte de Berlin. Quand on a parti de l'Afrique, on se reconnaissait. Et donc, ce jour-là, on s'est réunis, donc c'était l'apogée des conférences pour améliorer l'organisation en Occident. On a fait cette conférence-là et finalement, il a montré à Berlin ce jour-là que dorénavant, nous prenons autorité de toutes choses. D'accord ? Et donc, pour ne pas m'attarder, le côté scientifique, le côté apprentissage, on passera le communiqué d'ici là, on va commencer. D'ailleurs, ici, on a un frère aussi qui le fait déjà ici, papa le futiste. Mais d'ici là, on va pouvoir bien structurer pour faire les choses telles que nos collègues à l'académie là-bas travaillent, les Nsanda, on met en place les Nsanda, ce qu'on appelle les centres d'apprentissage, on appelle les Nsanda en anglais. Voilà. Je ne sais pas si je n'ai pas juste le temps. Hein? Comment de quelque chose qui est parti d'un individu, donc une révélation, parce que si c'est une révélation, c'est du Guisson Loguelé. C'est du Guisson Loguelé. N'est-ce pas? Aujourd'hui, papa Obeladio, avant de faire son voyage en Kamba, donc il allait se reposer parce qu'il avait accompli sa mission, sauter. Nous a légué cette. Donc, pour revenir, ici, ce caractère-là, ça vient du terme ma, égal à prendre. Prends. Et quand tu parles de Ndombe, s'il vous plaît, de grâce, dorénavant, vous qui nous écoutez, ne qualifiez plus ce terme-là de noir, s'il vous plaît. En tout cas, je vous prends de grâce, s'il vous plaît. Parce que si eux, les Occidentaux, nos enfants là sont rebellés contre nous, leur père, les Occidentaux. Le terme justement qui commence, les Nkituki, j'appelle ça. C'est pas péjoratif, mais ils sont là ici. C'est-à-dire que c'était comme nous, mais ils sont transformés dans une autre forme physique, les Nkituki. Si dans leur langage de communication, ils nous ont qualifiés, parce que noir, ça vient du négro. Négro qui vient du latin négriti. Négriti et négriti qui veut dire objet de peu de valeur, s'il vous plaît. Objet de peu de valeur. C'en était ainsi aussi, c'est vrai. Mais grâce à l'acte du 24 décembre 1992, quand le Seigneur Jésus-Christ accepta le pardon, parce que le corps que nous avons physiquement, c'est lui, le sang et l'eau, c'est lui. C'est bien celui qui a eu l'idée de créer l'humain. D'ailleurs, tout son forfait qui vient connaître, sa personne qui vient connaître en Judée là-bas, qui prend le fait de Jésus-Christ, et finalement, pour venir à finir sa mission sur terre physiquement, le brebis perdu, le centième brebis égaré, il est venu chercher au Congo, en Kamba, dans la population, qu'on a qualifié de peu de valeur, d'où l'esclavage. J'envoie au livre que mon collègue des médias qui m'ont mis de la presse, donc papa David Yoga a écrit. Il a bien détaillé cet acte-là. Donc, le mandombe, nommé en kikongo, ça vient du verbe ndombele. Ndombele. Ndombele qui veut dire démonter. Donc ici, il dit pas seulement que Mangou nous dit prends, toi, le demandeur. Pourquoi demandeur, effectivement? On est un peuple profondément déiste.
C'est rare de voir quelqu'un qui a cette forme physique-là.